Aujourd'hui, vous êtes là pour quelle manifestation? Eh bien voilà, c'est le concours d'Abruivado. La municipalité nous a demandé si on voulait participer avec notre association des attelages de la petite Camargue. Nous avons dit oui, et puis entre nous, nous avons discuté, et comme le dernier roman, il y a une quinzaine de jours, pour la fête de la souche à Générac, nous avions attelé deux chevaux avec une charrette à vendange, ancienne. Alors on a dit pourquoi pas refaire pareil, ça change un peu. Et puis en discutant, le collègue m'a dit pourquoi n'en attellerait pas trois. J'en ai parlé vaguement à M. Nissard, qui est un ancien de la vieille, un ami de mes grands-parents, tout ça. Et j'en ai parlé. M. Nissard a réfléchi. Quelques jours après, il m'a appelé, il m'a dit voilà, si tu veux, je mets tout à votre disposition. Alors quand il dit tout, il a voulu mettre son matériel, mais moi ce qui m'intéressait dans le tout, c'était ses précis conseils. Alors j'ai accepté de suite, j'ai vu les collègues, ils ont été d'accord, et nous avons rencontré M. Nissard qui nous a bien parlé. Et pour nous, c'est pas des conseils, pour moi, c'est même des leçons. Et des gens comme ça, ben, je trouve qu'il y en a de moins en moins, parce qu'il n'y a plus de grands charretiers, comme il n'y a plus de propriétés. Et c'est dommage, parce que les traditions se perdent, et des gens comme ça, ils nous rendent des services énormes. Et encore une fois, je le remercie d'avoir accepté de nous aider, bien nous aider, grandement, encore merci. Thank you.
Comment ça s'appelle ça, Roger ? C'est une queue de renard. Queue de renard. C'est la véridique, ouais. Ah ouais. Et bien ça, quand il y avait les premiers roseaux, le cheval de devant qui en avait peur faisait une écart. Tandis qu'avec ça, qui flotte devant ses yeux, il ne s'apercevait pas de l'auto et il n'avait pas peur. Je parle d'il y a 70 ans. Oui, mais c'est fait normalement, là. Mais c'était fait rien qu'avec des crènes de chevaux, oui. Le bouscal ? En patois. Et ça veut dire quoi ? Juste ça ? Pour chasser les mouches. Non, mais pas, quoi. Ah, il en fait pas de 3 devant. On pourrait le reculer. Et on les appelle là ? Oui, là. On va les voir, puis après on les fera. On le sortirait de là, hein. Plus que ça, hein. Il tirerait plus que ça. Il y a longtemps que d'arbre ouvert, on n'a pas vu voir un attelage comme ça, hein. Sûr. Sûr. Vous êtes un général, vous. Ah bon, vas-y. Souvent, on y met du goudron et de l'huile de cadre pour, voilà, parce que pour durcir sur le. C'est l'huile de cadre qu'on ressent. Pour dessus et l'assoupir, ça bon. Ouais, oui. Et normalement, on y en met dedans aussi. Hein. Oh. Il y a une chose, moi, j'y parle pas de bateau. Hein. Voilà. Ouais, prends ça, Michel. Ouais. J'en avais. Il y en avait trois avant de les faire. C'est chaud. Il y a 4 ans que je l'ai. Il était à peu. Monsieur Lissard. Que ressentez-vous quand vous voyez les chevaux magnifiques de le voir revivre quand même. Heureusement que j'avais gardé les attelages, j'ai mes courriers encore là-bas. De voir que ça ne se perd pas quand même. Ça fait plaisir. Monsieur Nissard, ça va ? Ça va plaisir. Monsieur Nissard, l'ordre des chevaux dans l'attelage, c'est-à-dire le rôle du premier, du second et du troisième. Généralement, le plus gros était dans les bras. Oui, c'est lui qui fait la force, qui tire la charge. Une chanteuse de force. Hein. Le second était normal, et le premier aussi, parce qu'on avait à peu près dans les propriétés les mêmes grosseurs de bêtes. Selon leur caractère, ben, ils étaient placés. Nous les placions. Ouais. Il fallait détecter le caractère de la bête. De chacun. Parce que, comme vous les voyez, eux, ils ne peuvent pas, ils sont obligés de le conduire. Nous, le cheval de devant, marchait à la voie.
Il a qu'une guide, qu'un corbeau. Hein. Oui, oui. Marcher à la voie. C'était, les chevaux étaient dressés, puis c'était tonnard. On était des charretiers, on avait des leçons. Et... voilà. Allez, alors vous allez où je vous le dis. Jacques, tu peux me prêter ton fouet? Allez, pas qu'elle est fouillée. Ah, moi, je ne veux pas sûr, tu peux dormir, hein? Si tu veux, alors. Et son cheval Cob, merci à notre ami Henri Rios. Ensuite, juste derrière, nous avons un superbe parc arabe conduit par Roger Beka. Roger Beka et son parc arabe. Regardez ce très beau cheval, on voit bien que tête haute, très fier. Voilà. Le spectacle continue donc. Juste derrière, nous avons un superbe croisé Mérens conduit par Yvan Dombry. Yvan Dombry et son croisé Mérens. Yvan Dombry. Derrière, oh là là, notre ami Jean-Paul Rouvin. Avec notre ami Méruès qui nous présente un croisé Mérens. Voilà un attelage Généracois, Jean-Paul Rouvin, Méruès et le croisé Mérens. Juste derrière, nous avons un croisé Percheron. Un croisé Percheron conduit par Gérard Abrial. Voilà Gérard Abrial et ce très beau croisé Percheron. Voilà, et puis nous avons un jeune poney, c'est le plus jeune de l'association, vous voyez qu'on peut commencer très jeune dans les ateliers, dans les attelages de la petite Camargue, c'est Philippe Pujolas. Philippe Pujolas et son poney, juste derrière. Voilà, toujours Pujolas avec un attelage, et puis derrière nous avons Monsieur Sartel, Monsieur Gérard. Non, pardon, non, c'est trop petit, c'est Gilbert Auguste, avec un croisé sale français. Voilà, là nous avons Monsieur Deschambre, François Deschambre, sur son, avec un croisé arabe, François Deschambre. Nous avons juste derrière Jacques Floutier, voilà Jacques Floutier et Madame qui arrivent. Avec le costume toujours traditionnel, Simone et Jacques Floutier du Kélard. Avec un wagonnette et un comptoir qui conduit donc cette wagonnette. Jacques et Simone Floutier. Voilà, et ensuite nous avons Antoine Solinas. Avec... un cheval de race Alfinger. Regardez ce très beau cheval également que nous présente Antoine Solinas et son cheval Alfinger et le groupe folklorique Lucédène Bougatois. C'est
Madame Solinas qui m'aide à reconnaître les chevaux, hein, je vous l'avoue tout de suite. Voilà, c'est notre ami Chartel, Gérard Chartel avec tous mes reins. Voilà, monsieur Gérard Chartel, c'est une wagonnette de luxe. Conduite par Gérard Chartel et deux magnifiques mes reins. Derrière, nous avons Jean-Jacques Sabatier avec deux croisés prison. Regardez également la majesté de ces chevaux. Un duo formidable qui va vous régaler. C'est Jean-Jacques Sabatier et ses croisés prison. La sortie maintenant de Michel Guéhédan, Pierre Cézac, Jean Brunel, deux Pontois, un Artenay, et c'est un attelage triple de charrette à vendange à l'ancienne, mode sarrasine. Voilà ce superbe attelage, je crois qu'on peut les applaudir pour nos amis. Mais moi, je suis un peu comme toi.